m'appelle Campelelani. Je suis une étudiante en prépa multimédia 3D à Sifacom. J'ai choisi cette école particulièrement parce que j'adore tout ce qui touche à la créativité. J'étais sur le site et j'ai eu un coup de cœur parce que cette école était beaucoup attractive. Puis j'ai passé mon entretien qui s'est très bien passé parce qu'on nous montrait qu'on cherchait surtout la motivation de l'élève et non pas le bulletin scolaire. Et d'abord, je veux devenir game designer parce que j'adore tout ce qui touche aux jeux vidéo, au graphisme. Ce que j'attends, c'est vraiment maîtriser les logiciels, d'où la prépa 3D, car j'avais quelques connaissances, mais je voulais vraiment bien m'y connaître pour m'améliorer. Donc après, ce que j'attends aussi, c'est de m'améliorer en tout ce qui est graphisme niveau dessin, parce que je suis passionnée de dessin, donc du coup, mes cours d'expression plastique m'aident énormément. Lors de la prépa 3D, on touche vraiment à tout. On touche au web, à l'anglais, en 3D, mais aussi à tout ce qui touche à l'histoire de l'art et de la sémiologie. Qu'est-ce qu'on a fait en 3D? On a déjà modélisé un corps d'une jeune fille, on a déjà fait des objets, on a déjà fait un petit bonhomme pour commencer. En web, on est en train de maîtriser le logiciel Flash professionnel qui permet de faire des petites animations. En sémiologie, histoire de l'art, on étudie surtout toutes les époques, les symboles, qu'est-ce que cela signifie, comment ils vivaient, pour vraiment, si on fait comme un jeu par exemple sur Rome, comment faire le graphisme, comment les habiller, comment ils se comportaient. Alors j'ai différents projets. Tout d'abord, je tiens un blog qui est sur la plateforme Sifacom Blog, où tous les élèves ont leur propre blog, ce qui permet de nous relier et de voir ainsi les créations des uns et des autres. Alors sur mon blog, je mets toutes mes créations concernant le dessin, la 3D. Du coup, je montre vraiment ma passion, de quoi je suis capable.